Allez, quatrième séquence, c'est la dernière, le plus dur est fait. Nous entrons maintenant dans le domaine des autres sujets possibles, du point de vue de la dissertation, pour enrichir cette notion, déjà compliquée certes, mais enfin néanmoins appréhendable, quel langage? Alors, premier sujet, le langage contribue-t-il à unir ou à diviser les hommes? Le langage est à la fois la faculté propre à l'être humain de créer et d'utiliser des systèmes de signes pour communiquer. C'est aussi la langue, entendue comme système de signes au sens de Ferdinand de Saussure, dans son essai de linguistique générale. Une langue, pour Saussure, est un système de signes conventionnel et articulé, doublement, qui sert de moyen de communication et d'échange. Ainsi, une langue est propre à une culture, une nation, elle a une grammaire, une syntaxe, un vocabulaire qui lui sont propres. Le langage étant une faculté commune à tous les hommes, et la langue étant définie comme un moyen de communication, on voit en quoi le langage, dans le sens qu'on vient de définir, crée un lien entre les hommes. Cependant, il peut y avoir différents types de liens entre les individus, des liens sociaux, des liens économiques, culturels. Bon. Et ces liens peuvent être plus ou moins étroits. Être uni, d'ailleurs, c'est être en harmonie ou complémentaire ou solidaire, c'est être complice. Cette modalité de liaison peut aller jusqu'à celle un peu plus large de la déliaison. Ainsi, la séparation peut prendre la forme de l'absence de communication ou de collaboration, de compréhension. Ainsi, cette division peut se manifester par l'indifférence, par l'exploitation, le mépris, jusqu'à la guerre. Et de fait, on constate que les hommes sont unis puisqu'ils vivent en société, mais ils peuvent très rapidement se diviser, ils sont d'ailleurs en conflit perpétuel. Pour terminer, on peut donc dire que l'idée que la langue séparerait les hommes reste paradoxale, puisque comment un moyen de communication qui doit lier par définition peut séparer, c'est la question. Y a-t-il plusieurs façons d'être tout en étant séparés? Et si le langage est spécifiquement humain, quel rôle joue-t-il dans ce processus qui peut être tant d'union que de désunion, voire de division schismatique? C'est la question. Peut-on parler pour ne rien dire? Au sens strict du terme, parler, c'est faire usage d'un langage articulé, oral, prendre la parole au sens propre, tandis que, au sens large, c'est faire usage d'un langage quelconque qui peut être écrit, oral ou gestuel, c'est-à-dire un système de signes. En règle générale, nous parlons pour communiquer, pour dire à l'autre, mais on rencontre souvent des cas où ce qui est dit est proche du vide et ne semble pas viser la connaissance ou la vérité. Ne rien dire désigne alors le fait que la parole ne véhicule aucune signification, quelle qu'elle soit, qu'elle ne contient rien d'important ou de pertinent qui serait formulé. Ainsi, en dépit de l'usage informatif du langage, aucune information ne serait transférée alors. Mais la communication linguistique n'a-t-elle pas d'autre fonction que le simple transfert d'informations, comme les fonctions phatiques ou poétiques, dans lesquelles la forme compte plus que le contenu, ou encore performatives? En admettant que nous avons la capacité de ne rien dire, en avons-nous le droit? Cela est-il permis ou simplement recommandable? Là encore, c'est ce qu'il faut tenter d'affronter ici. Le langage trahit-il la pensée? Le langage est pensé comme simple véhicule de la pensée, plus ou moins fidèle, donc extérieur à la pensée, peut-être. Mais peut-il y avoir une pensée sans langage et une pensée que ne puisse véritablement dire le langage? Alors on pourrait établir que le langage est fidèle à la pensée, puisque les mots ne sont que le véhicule de la pensée. Parler en ce sens est un acte volontaire de la prise de parole. Chez l'homme, effectivement, le silence est premier, mais très rapidement, la dimension articulée et phonatoire se met en place. On pense d'abord et on parle ensuite, donc a priori on sait ce qu'on dit. Oui, mais en opposition, dans un deuxième temps, on peut établir que le langage peut ne pas être adéquat. En effet, la communication ne se réduit pas aux mots, le corps peut nous trahir par exemple, on ne peut pas toujours communiquer, le silence parfois est plus parlant que les paroles elles-mêmes, donc il y a une ambiguïté. Et par ailleurs, les mots peuvent nous échapper, c'est le cas du lapsus, ils peuvent trahir une pensée inconsciente, c'est ce qu'explique Freud dans sa lecture psychanalytique, évidemment, des actes manqués. Enfin, on pourrait terminer en montrant que les mots peuvent être inadéquats puisqu'ils ne pourraient pas, selon un test de Bergson, traduire nos contextes affectifs. Ainsi, on doit terminer pour savoir si on peut dépasser cette difficulté du langage en indiquant qu'on pourrait aller au-delà du caractère expressif de la pensée. Hegel nous rappelle certes qu'on ne peut pas penser sans les mots, mais les linguistes nous rappellent au contraire qu'on habite toujours le langage, voire que le langage conditionne la pensée. On terminera donc en disant que ce sujet présuppose que dire c'est toujours parler et que c'est un peu plus qu'articuler, mais que cela suppose de la part de l'autre une forme d'écoute et de compréhension qui n'est pas toujours parfaite. Alors l'erreur concernant la question du langage, c'est de considérer que le langage finalement n'est pas propre qu'à l'homme, mais que certaines espèces peuvent parler. Voilà, donc il y a beaucoup d'élèves qui considèrent en effet que le chat communique avec eux, qu'il s'exprime, et c'est une façon un petit peu réductrice évidemment d'enlever la dimension
qu'on a vu linguistique, notamment dans le langage, qui est quand même beaucoup plus élaboré que la simple communication animale. Il me paraît assez intéressant d'exploiter la dimension du performatif qu'on doit par exemple à John Austin dans son texte « Quand dire, c'est faire » qui convoque dans cette logique anglo-saxonne quelque chose d'assez particulier. C'est l'idée qu'il y a des actes d'engagement qui tiennent parfois à un seul mot, voire à un seul geste. Par exemple, le « oui » de « j'accepte de prendre telle personne pour époux, pour épouse » vaut comme un acte qui nous engage dans le futur. Et le geste de celui qui lance la bouteille sur le bateau pour le baptiser est un acte aussi qui a une valeur, alors évidemment non langagière, mais très forte. Donc John Austin appelle performatif cette dimension par laquelle la parole, le geste font sens et sont vérité. Alors que le langage puisse encore être un sujet d'actualité, sans mauvais jeu de mots, c'est ce qui nous permet de comprendre qu'il est un sujet d'actualité, puisque cela suppose évidemment qu'on partage certains signes linguistiques. Alors les langues sont conventionnées, elles sont conventionnelles, mais par-delà, enfin ces codes, évidemment, cet alphabet qui nous permet de nous entendre, on voit bien que la question de la communication, nous sommes dans des sociétés du tout communicant, est une question fondamentale. Elle est fondamentale dans le rapport à l'autre, et il est évident qu'on doit interroger par-delà la constitution des langues dont s'occupe la linguistique, par-delà les problèmes de phonétique, le sens qui est en jeu dans le discours, la valeur de vérité qui est portée par les paroles, puisque c'est cela certainement qui, au-delà de nos langues maternelles, nous rapproche les uns des autres et fait de nous tous, comme le disait Aristote, des êtres de langage, des êtres dotés de logos.